Hello, hello, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, je vois que vous êtes déjà quelques-unes à être arrivées. Bonjour Nathalie, coucou Karine, Véronique, Sylvie, coucou Maroutine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour être sûr que tout fonctionne. Bonjour Sandrine, comment ça va? Bonjour l'autre Sandrine. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour Nadine, coucou Anne-Lise. Coucou Karine. J'espère que tout le monde est en forme en ce lundi matin. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmony Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up dans l'Indre depuis bientôt 3 ans. Oui, je vais bientôt fêter mes 3 ans dans l'aventure et j'ai hâte de fêter ça. Chaque semaine, je vous propose un nouveau projet créatif qui sont donc exclusivement réservés avec les produits Stampin' Up. Mais pas de souci, vous pouvez sans problème les réaliser avec ce que vous avez chez vous. Et si vous avez envie de reproduire mes projets à l'identique, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne où vous retrouverez tous les produits que j'aurai utilisés. Et vous retrouverez donc cette liste sur mon blog harmoniescrap.fr. À la fin de chaque live, bien sûr. J'ai plein d'infos à vous donner cette semaine. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que nous puissions passer ensuite au projet. Première information, je vous rappelle qu'il est toujours possible de participer donc à la grande tombola de Noël jusqu'au 23 décembre. Eh bien, pas moins de 10 gagnantes pourront remporter de super lots. Évidemment, hein, vous vous en doutez, ce seront des produits Stampin' Up. Vous aurez plein de surprises, voilà, notamment du papier à motif ou un Stamparatus que je mets en jeu aussi. Donc voilà, vous avez jusqu'au 23 décembre pour valider vos commandes d'un minimum de 80 € pour pouvoir avoir la chance de remporter un de ces lots cadeaux. Voilà, c'est une façon de vous remercier et de vous faire plaisir avant Noël. Je vous rappelle aussi que les inscriptions à la box mensuelle de janvier sont ouvertes. Coucou Marie-Christine. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez. Vous dès maintenant les liens, bonjour Annie, les liens donc au-dessus de la vidéo sur Facebook, mais également dans la barre d'infos sur YouTube, mais aussi sur mon blog, sur les réseaux, bref, à plein d'endroits. Vous le savez, on est en pleine préparation de la sortie du mini-catalogue janvier-avril. Oui, j'ai bien dit janvier-avril. Voilà, en pleine préparation. Il est incroyablement beau. Beaucoup de mes clientes ont déjà reçu leur exemplaire. Si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder. Merci Marie-Christine. Coucou Martine. Avec également la Celebration. C'est trop cool, la Celebration. Nous n'en aurons qu'une cette année. Elle durera 2 mois, de janvier à février. Voilà, je vous invite à jeter un œil là-dessus. À cette occasion, bien sûr, vous en avez l'habitude, je fais des portes ouvertes virtuelles et aussi présentielles. Donc, les virtuelles auront lieu donc le 2 janvier à 20h30 sur YouTube et sur Facebook, bien sûr, avec des replays disponibles. Il y aura toujours notre traditionnelle chasse au trésor avec un pistolet à embosser à gagner. Donc, préparez pour ce soir-là un petit crayon pour noter les questions et m'envoyer vos réponses ensuite. Et pour les portes ouvertes qui seront donc chez moi, elles auront lieu le 7 janvier. Justement, pour le mini catalogue aussi, je vous propose donc des échantillons de papier à motif. C'est pareil, vous retrouverez le lien dans la publication. Pardon. Et donc moi je vous propose les échantillons du mini catalogue de papier.
Mais vous retrouverez aussi le lien pour pouvoir commander, si vous en avez envie, les échantillons de rubans et d'ornements qui sont proposés par le petit atelier de Mumu, donc une de mes filleules. Donc je fais les papiers spéciaux et à motifs. Coucou Virginie, bienvenue. Et Muriel se charge donc des ornements et des rubans. Donc c'est pareil, retrouvez tous les liens au-dessus de la vidéo, dans la barre d'infos, sur mon blog, bref, un peu partout. Et si vous ne les trouvez pas, c'est pas compliqué, vous nous envoyez un petit message en privé. Coucou Héloïse, comment vas-tu? Oui, oui, merci beaucoup, le marché Noël s'est très bien passé. Bon, on a eu très très froid dans la salle, d'ailleurs j'ai attrapé un joli rhume pour l'instant. Et je suis désolée, je risque de tousser un petit peu parce que ça gratte, les pastilles ne font rien. Mais c'était très sympa, j'ai pu rencontrer des gens vraiment adorables et parler de notre passion commune, donc c'était vraiment très sympa. Voilà, vous avez maintenant toutes les infos, j'y reviendrai au cours du live et à la fin, et n'hésitez pas à m'écrire après bien sûr si vous avez la moindre question. Aujourd'hui on réalise une carte sapin, voilà, je vous la montre ici, mais on va retourner la caméra, une jolie carte sapin. Voilà, voilà. Je vais la changer un tout petit peu ce matin, vous allez voir. Mais elle est très simple à réaliser. Oui, vraiment très simple, vous allez voir. Alors, c'est parti. Je vous propose de démarrer. Donc, je vous la remontre ici. Elle s'ouvre comme ceci. Donc, à l'intérieur, j'ai mis des jolies découpes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont déjà. Donc, vous pouvez reproduire à l'identique et du coup avec la possibilité d'écrire un message à l'arrière. Coucou ma petite Fabienne. Voilà, ok, alors c'est parti, vous allez voir une petite alternative aujourd'hui, mais vous aurez les mesures, on va faire le schéma, vous allez voir, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, je vais réaliser cette carte avec la collection Texture Chic, qui s'adapte vraiment à beaucoup d'occasions, et notamment à Noël. Grâce notamment, je vous montre ça rapidement ici. Voilà, on a du papier avec des jolis flocons, avec des belles dorures, donc on va pouvoir faire ça tranquillement. Dans un premier temps, on va commencer par la base de carte. Je prends mon coupe-papier, et pour cela il vous faut un morceau, dans le bon sens ça sera mieux, de papier uni qui mesure 30,5 par 15,2. 30,5 par 15,2. Coucou Marie-France, tu n'arrivais pas à nous rejoindre? Oh bah alors, peut-être tenter sur YouTube, peut-être que ça passera mieux l'un ou l'autre. N'hésitez pas à alterner, à changer ou à tester. J'espère que ça va Marie-France. Alors, sur ce papier de 30,5 par 15,2, vous l'apercevez déjà, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les mesures tranquillement. Nous allons réaliser 1, 2, 3, 4 plis simplement sur le bord long. Le petit problème de réseau, oui, malheureusement, je crois que ça nous arrive à toutes. L'essentiel en fait l'originalité de la carte va bien sûr se tourner au niveau du sapin. Et pour cela, c'est avec du papier design que nous allons réaliser quelques marquages. Vous allez voir ensuite, tout le reste est vraiment très simple. Le sapin aussi d'ailleurs, hein, pas de panique. Alors, hop, je mets ça ici. Et du coup, on va démarrer donc les plis de cette base de cartes. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer vos papiers avant, pas d'inquiétude, vous le savez, le replay sera disponible ici sur ma page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur mon blog, donc pas d'inquiétude, vous pourrez refaire tranquillement après. Alors, pour les plis de cette fameuse carte, nous allons marquer un premier pli à 2,5. 2,5. Voilà, donc on marque le pli, on est bien sur le bord long. 2,5. Nous passons ensuite à 8,9. Ici, 8,9.
Nous passons ensuite, tac, 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 à 21,6. Voilà. 21,6. Et le dernier pli est à 27,9. Hop, et on marque à 27,9. Ok, c'est bon pour vous. Je vous redonne les 4 mesures de pli que l'on fait sur le bord long du papier uni de la base de carte qui fait 30,5 par 15,2. Ah, je suis vraiment désolée. Donc, 2,5, 8,9, 21,6 et 27,9. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire, à m'arrêter s'il y a le moindre souci. C'est ok? Bien. Alors, coucou ma petite Viviane. Ça va? Tu t'es remise de notre week-end de petits glaçons? Moi, j'ai attrapé le rhume. Hein. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous réalisons ce matin une carte sapin. Toute jolie, toute simple, vous allez voir. Voilà ce qu'on réalise à l'instant. Une petite info que je ne vous ai pas donnée en début de live. Nous sommes en train, ensemble, de faire notre dernier live 2022. Oui, je prends quelques jours de congé pour les fêtes. Voilà, besoin de coucouner un peu avec mes loulous. Donc, et puis, je vais quand même travailler un petit peu parce qu'il faut que je termine les portes ouvertes. Donc, je prendrai des vacances à la fin de la semaine. Donc, c'est notre dernier live de l'année 2022. Le prochain live, la prochaine fois qu'on se retrouvera en live, ça sera pour les portes ouvertes virtuelles qui auront lieu donc le lundi 2 janvier. Et cette fois, ça sera à 20h30 que nous allons nous retrouver. Oui, Marie-France, j'essaye d'apprendre, à prendre du temps. C'est pas toujours évident, mais là, je sens qu'il le faut. Oui, bonjour Martine, ça va bien, merci beaucoup. Alors, pour cette base de cartes, vous voyez, voilà comment nous allons la plier. Coucou Léa et Nani, je vous fais plein de gros bisous à toutes les deux. Ok, voilà comment nous allons plier la carte. Marie-France a fait la nounou avec sa petite fille aussi. Bah voilà, mais oui, les mamies sont de service. Ok, voilà comment plier votre carte. Montagne, vallée, vallée, montagne. Pour celles qui sont plus habituées. D'accord? Voilà, tout simplement, ça c'est la base de carte. Donc, je vais insister sur les marquage ici en cassant bien les fibres de mon papier comme ceci. Voilà. Ok. Alors, avant qu'on attaque le sapin, je vous propose de vous donner déjà et que je colle tout de suite le papier de matage, les papiers à motifs, d'accord? Et après, on prendra tranquillement le temps de faire la création du sapin. Donc, ici, sur les petits côtés, là, à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur, il nous faut des morceaux de papier de matage. Pour cela, donc vous avez vu, j'ai pris du joli papier doré. Ces 4 morceaux mesurent 4,7 par 5,8. D'accord? 14,7 par 5,8. Donc, ces morceaux-là, ils vont donc à l'extérieur, ici, d'accord, et à l'intérieur, j'aurais pu garder les mêmes plutôt que de changer, mais c'est pas grave, ici, ok, alors, je vais les coller tout de suite, voilà, ça sera fait, toc, 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 dis donc ma petite Léa, est-ce que tu as trouvé les sucres d'orge, dis-moi. Hop, voilà, on y va.
Vous avez toujours les mesures ici si vous avez besoin. D'accord, donc là, je positionne les papiers de matage à l'intérieur de la carte. Maintenant, à l'extérieur, du joli papier doré qui va super bien avec la collection Texture Chic. Voilà, ça c'est une collection qui fait partie du catalogue annuel. N'oubliez pas le catalogue annuel, il regorge de petits trésors. Et on a tendance un peu trop à l'oublier. Ah, Léa a trouvé les petits sucres d'orge, super. Toc, je mets 4 fois trop de colle, c'est ridicule. Ok, déjà, entre le papier doré et l'épinette enivrante, ça ressort super bien. Elle a l'œil harmonieux et nouvelles lunettes. Oui, ça fait un petit moment, ça fait un mois que j'ai des nouvelles lunettes, c'est vrai. Oui, et je vois enfin clair. Pour le papier à motif, donc, qui va aller sur ce fameux papier de matage, il vous faut, pareil, 4 morceaux de 5,3 de large par 14,2 de hauteur. Si j'avais mis dans l'autre sens, ça vous aurait parlé un peu plus. Je recommence, largeur 5,3, hauteur 14,2, et donc il vous en faut 4 en toute logique. Alors, je mets ces petits post-it qui, somme toute, ne collent pas très bien, et ça m'agace, voilà, et je viens les coller. Voilà, on va faire ça, comme ça, ça sera fait. Voilà, mes moins de colle. Voilà. Lorsqu'on va attaquer donc la création de notre petit sapin pour l'avant de la carte, ce qui fait vraiment toute l'originalité de la création, n'oubliez pas de vous munir d'une règle, d'un crayon de papier et bien sûr d'une gomme. Je vais après vous afficher les schémas pour avoir les mesures, vous allez voir. C'est bête comme chou, vous verrez. Hop, voilà. Voilà, n'oubliez pas pour celles et ceux qui nous rejoignent, les inscriptions pour la box mensuelle sont en cours, ainsi que les échantillons de papier à motif que je vous propose, donc les papiers à motif du mini catalogue janvier à avril. Et le petit atelier de Mimu vous propose, elle, les échantillons des ornements et des rubans. Alors, pour l'intérieur de la carte, ici, sur le premier modèle, je vous avais proposé donc un morceau de papier de matage qui mesure 14,7 par 12,2. D'accord? Donc ça concerne l'intérieur de la carte et également l'arrière. Si vous choisissez de mettre du papier design ici et des découpes, des motifs ou que sais-je encore. Du coup, on aura après le papier blanc à l'arrière qu'on ait quand même de l'espace pour écrire un petit message. D'accord? Donc les papiers de matage ici, mon rouge pour l'intérieur et l'arrière de la carte pour ce modèle-ci, il vous faut du 14,7 par 12,2 et donc il en faut 2. Aujourd'hui, j'ai décidé que la partie message, j'allais la mettre à l'intérieur et laisser vierge l'arrière. D'accord? Alors, je vous donne les mesures. Le papier à motif, si vous décidez donc d'en mettre, comme le premier modèle, il mesure 11,7 par 14,2. D'accord? C'est simplement 0,5 de moins que le matage. Coucou ma petite Elsa, je te fais plein de gros bisous. Ok? Donc, je le laisse ici. Pour, hop, le papier blanc pour le message à l'arrière, eh bien, c'est simplement les mêmes mesures. 11,7 par 14,2. D'accord? Donc, je vous ai dit, moi, aujourd'hui, je vais donc utiliser le papier de matage et faire une
petite entorse aux mesures, j'ai simplement réduit mon papier blanc d'un centimètre. Donc aujourd'hui, je vais mettre du papier blanc qui mesure 13,7 par 11,2. Et du coup, je mettrai mon petit message ici à l'intérieur. Voilà. Un petit message que j'ai déjà embossé à chaud avec de la poudre dorée. J'adore ça. Vraiment. Vous le savez, hein, j'adore. Et du coup, ça vient du set de tampons fait encadré qui lui disparaît à la fin du mois. Et il y a vraiment des messages qui sont super sympas. Donc on peut aussi l'avoir pour le nouvel an. On peut envoyer les vœux jusqu'à la fin du mois de janvier, vous le savez. Donc il est vraiment super. Hop, donc tout ça, je vais le coller ici. Tu aimes ça aussi embosser, Marie-France? Oui, ça donne vraiment un éclat particulier à nos créations. On a ce côté brillant, 3D. C'est vraiment super fun, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est parti, je colle. Toc. Voilà. Et je viens le coller. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une petite entorse aux règles habituelles de retirer 0,5. Cette fois-ci, j'ai carrément retiré 1 cm à mon papier blanc par rapport au papier de matage. Parce que j'avais envie de voir un cadre un petit peu plus grand. Parce que le papier ici, or, est vraiment très joli. Donc je trouvais ça assez sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va donner une autre ambiance, une autre ambiance à la création finale. Exactement, ça change les habitudes, c'est plutôt sympa aussi. Parce que du coup, le papier de matage, on le voit assez rarement. Quand on limite à 0,5, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Et là, du coup, voilà, ça valait le coup de le mettre en valeur. C'est assez sympa, je trouve. Et puis, on a souvent tendance à moins habiller la partie où on écrit le message, l'intérieur des cartes. Donc là, je trouvais que c'était vraiment bien mis en valeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà ça, c'est assez sympa. Recoucou Catherine. Ah, box réceptionnée. Super. Ça me fait plaisir, je suis rassurée. Du coup, vous allez pouvoir découvrir votre box, Catherine. Vous allez pouvoir découvrir le mini catalogue que j'ai glissé à l'intérieur. Voilà. Déjà, rien que ça, je pense que la carte, elle est top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment. On peut aussi imaginer de mettre une photo à l'intérieur. Ça peut être aussi très sympa. Alors, je mets ça de côté. Toc, toc. Voilà, voilà. Hop, on en a fait pas mal. Bien. Pardon. Alors, maintenant que la base de cartes est terminée, nous allons pouvoir nous atteler à la construction de notre sapin. Donc, je vous remontre le modèle, puisqu'il y en a qui nous rejoignent à l'instant. On crée donc, oups, une carte sapin. Voilà. Hop, dans laquelle j'ai mis un motif poinçonné à l'intérieur et on peut écrire un message à l'arrière. Petit détournement ce matin avec la collection texture chic où j'ai mis le sentiment à l'intérieur et maintenant on s'attaque à la construction du sapin. Pour cela, il vous faut donc deux morceaux de papier à motif qui mesurent 20,3 par 2,5. Coucou Marie-Isabelle, bienvenue. Donc, il en faut deux. C'est maintenant que vous prenez votre crayon de papier, votre règle et votre gomme, car nous allons marquer à certains endroits et nous allons créer des lignes. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti, je prends ça, je prends ça. Ma petite gomme est déjà là. Je vous prie sincèrement de m'excuser, il faut vraiment que je me mouche. Je vous laisse préparer vos papiers et ce que je vais faire juste avant de me moucher, c'est de vous mettre le premier schéma à l'image. Voilà, ça vous donne tout de suite une idée de ce qu'on va réaliser. Oh, en fait, j'ai ma souris qui bug. Coucou Mumu. Je disais donc, je vous mets le schéma ici.
Me revoilà. Voilà. Alors, le premier morceau, vous avez donc à l'image les mesures dont vous avez besoin pour faire vos petites marques. Nous allons d'abord dessiner les traits rouges avant de les couper. D'accord ? Donc ça, c'est le premier schéma que vous voyez ici. Le premier morceau de papier, en fait, tout simplement, okay, qu'on va venir travailler. Je vais réduire un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, c'est parti, je prends le premier morceau et je viens donc faire les marques d'abord du haut. D'accord ? Puisque vous voyez, celles du bas ne sont pas identiques à celles du haut. C'est prêt ? Vous êtes prêts ? On y va. Donc, première marque à 2,5. En haut. OK. Ensuite, 3,8. 8,9 et 12,7. Ok, donc là je viens de faire mes petites marques pour les mesures du haut du premier morceau de papier à motif. Ok? Je viens maintenant m'occuper du bas de mon papier. Et pareil, je fais des petites marques. Donc, première mesure, elle est toujours à 2,5. La deuxième mesure est à 6,3. La troisième à 8,9. Et la dernière à 15,2. Ok ? Est-ce que le schéma est assez clair pour vous ? Coucou ma petite Mému, tu conduis pas j'espère ? Pendant que tu regardes et que tu commentes en plus. Maintenant il suffit de rejoindre les points que nous venons de faire à l'instant, comme c'est indiqué sur le schéma. Vous voyez les lignes rouges, d'accord ? Tracez-les et ensuite on viendra les couper. Donc je rejoins les différents points. Alors, je vais... Bonjour Christine, comment ça va ? Rejoindre... Alors, je vais prendre celui-là parce qu'il est mal taillé, mon crayon. Voilà. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête en plein champ. Où est mon trait ? Tu parles qu'elle voit plus clair avec ses nouvelles lunettes. Je vais le marquer un peu mieux. Voilà, ça va aller drôlement. Donc, 2,5 avec 2,5. Ok. Ensuite, ici, j'ai bien mon 3,8 que je vais auquel je vais rejoindre le 6,3 ici. J'espère que le schéma vous aide. Ok. C'est clair, Martine ? Super. Je rejoins les 2,8,9. Alors, faire un live, quand on commence à être enrhumé, qu'on a la voix enrouée, je vous assure que c'est compliqué. J'espère que vous m'entendez bien. Et ensuite, je rejoins le 12,7 avec le 15,2. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien mes lignes. Bon, c'est vrai que sur le papier, c'est un peu plus compliqué. Coucou ma belle Christelle, comment vas-tu ? Tout va bien Marie-France ? Bon, merci beaucoup. Ok, ça c'était le premier. Donc on le met de côté. On viendra le couper après. On va marquer les mesures pour notre deuxième bande de papier. Même mesure, 20,3 par 2,5. D'accord ? Par contre, les mesures de marquage vont être... différentes. Toc, les voici. On est donc sur le deuxième morceau. D'accord. Je vais juste réduire un peu ça. Voilà, que vous puissiez voir le morceau de que je suis en train de faire. Voilà. Normalement, c'est un petit peu mieux pour vous à l'image.
En fait, les mesures de marquage sont les mêmes, mais simplement pas au même endroit. C'est une inversion. Mais pour que ce soit plus clair, j'ai fait un deuxième schéma, j'ai reporté toutes les mesures utiles, comme ça sera plus simple. Alors c'est parti, c'est exactement le même principe. On fait d'abord les marquages sur le haut du papier et ensuite sur le bas. Donc sur le haut, nous sommes toujours à 2,5. Je vais marquer un peu plus fort cette fois. La deuxième à 6,3. La troisième à 8,9. Toujours sur le haut, hein. Et la dernière à 15,2. Voilà, c'est une inversion par rapport à tout à l'heure, comme je vous disais. Je passe sur le bas de mon papier. Toc. Et là, je viens donc marquer à nouveau à 2,5. T'es en repos, Christelle? Super, écoute, profites-en au max. Deuxième à 3,8. Troisième marquage à 8,9. Et pour finir, à 12,7. Voilà. Donc plutôt que de vous induire une erreur en disant on fait les plis dans l'autre, enfin les marquages dans l'autre sens et tout, hein, voilà, je pense qu'avec ces deux schémas-là, ça devrait être beaucoup plus clair pour vous. Oui, Christelle, je te montre ça tout de suite. J'attends quelques secondes que tout le monde ait eu le temps de reporter ses mesures avec le schéma. Et du coup, je te montre tout de suite après. On fait une carte sapin. Même principe que tout à l'heure, on vient rejoindre nos différents points. D'accord? Toc. Donc le 3,8 ici avec le 8,9, d'accord? Ok. Ici. 6,3 et 3,8, pas 8,9, excusez-moi. C'est là qu'on rejoint les 2,8,8 ensemble. Ok, et pour finir, on termine sur la dernière diagonale, ici. Donc là, on rejoint le 15,2 au 12,7. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour faire vos marques, pour tracer vos lignes? Est-ce que c'est OK? Des petits cœurs, des petits pouces, n'hésitez pas à me le faire savoir si je peux retirer le schéma à l'image pour qu'on puisse continuer. En attendant, il me manque mes petits bouts de papier, voilà. Il va vous falloir d'autres morceaux de papier à motif pour la cime du sapin et pour le tronc, vous allez voir après. Un sapin sans pointe. Coucou Anise, comment vas-tu? Alors ça y est, tu as réussi, tu as compris que le papier de base n'était pas du A4 mais bien du 30 et demi? Non, on n'a pas de sympa sans pointe, tu vas voir. Il faut des morceaux de papier en plus, un petit carré de 2,5 sur 2,5. Bien. Alors, c'est parti. De toute façon, Annelise, ne t'inquiète pas, tu auras la fiche technique sur mon blog après. Donc, si tu es perdu pendant le live, eh bien, je t'invite à télécharger la fiche technique sur mon blog tout à l'heure. Ça pourra t'aider. Alors, j'essaye de récupérer ma souris qui veut pas se montrer. Où es-tu? Ah, ça y est. Alors, Christelle, je te remontre le projet. Voici ce que nous faisons à l'instant même. Une carte sapin. Comme ceci, avec ici le message à l'arrière. Et j'ai fait quelques modifications ce matin. Puisque donc là je travaille avec texture chic et du coup j'ai décidé de mettre en avant un petit peu le matage et l'embossage à chaud à l'intérieur. Et du coup je laisse vierge ma carte à l'arrière. Voilà ma petite Christelle. Alors maintenant que nous avons tracé toutes nos lignes, il nous suffit juste... Pardon. Ah, dur, dur, hein.
de couper nos morceaux, d'accord? C'est un peu un jeu de puzzle, vous allez voir. Merci ma petite Fafa. Très souvent, c'est marrant, hein, je vais vous dévoiler un petit truc. Très souvent, quand je fais mes projets de live comme ça, je fais toujours, donc voilà, la première version que je vous présente, nana, je la trouve super sympa et tout. Et pratiquement à chaque fois, pas toujours, mais pratiquement à chaque fois, je préfère la deuxième version. Je sais pas pourquoi. Oui, ma petite Léa, effectivement, ma bichette, je suis un petit peu enrhumée. J'ai attrapé froid hier à mon marché de Noël, enfin ce week-end. Il faisait tellement froid. C'était dur, dur. Du coup, bah voilà, maintenant, je suis enrhumée. Alors, je garde tous mes petits morceaux et je viens couper les autres. On va garder nos petits carrés. Et pour le tronc, en fait, après, il vous faudra deux petits carrés de 2,5 par 2,5. Il y a plusieurs options. Soit vous prenez du papier uni que vous vous amusez à tamponner, à coloriser, à passer dans un classeur de gaufrage. Il y a plein de possibilités. Ou alors un autre morceau de papier à motif que vous pouvez prendre dans vos chutes si vous le souhaitez. Voilà, il y a plusieurs options possibles. Alors, elle me fait la conversation, la petite Léa. Oh, bah oui, ma petite Léa. Mais du coup, c'est dommage, je peux pas t'entendre. Mais moi, je te fais plein de gros bisous. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. T'inquiète pas, je me soigne. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Je suis contente que la carte vous plaise. J'espère que vous la ferez à votre tour et que vous me la montrerez. Voilà, donc on n'oublie pas d'effacer toutes nos petites marques et nos petits traits disgracieux. D'accord ? Hop, parce que sinon c'est un peu dommage. Voilà, du coup, comme je voyais rien, j'ai appuyé trop fort. On efface tout ça pour que ce soit nickel. Tac, tac, tac. On efface bien. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais bon. Je veux vraiment pas que ça apparaisse sur ma carte. Voilà, et j'avais vraiment besoin de ces petites marques pour vous guider au mieux. Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a tous nos petits morceaux de papier là, il va être temps de former notre sapin. J'insiste fortement sur le fait de positionner... Coucou Monique, comment ça va ? De positionner dans un premier temps tous ces fameux morceaux de papier avant de venir les coller. D'accord, pour être sûr que tout va bien. Oh, d'accord. Alors, ici, je vais le faire d'abord là, d'accord. Hop, pour que vous ayez une idée de ce que ça va donner. Ok, on va venir en fait tout simplement les coller sur ces fameuses bandes ici qui nous restent, qui sont du papier uni. D'accord? Voilà, on va venir comme ça. Comme ça. Toc, toc. Anise nous disait tout à l'heure, oh, hein, ça passe en pointe. Eh bien non. Ici, il vous reste deux petits carrés. Il suffit d'en couper un en deux en diagonale et il va venir se mettre ici. Toc. Voilà. Et ça y est, on a un sapin avec une pointe. Voilà ce qu'on va obtenir. Ok, on va venir le coller ici. Et ensuite, dans les petits carrés,
Il y a plusieurs, comme je vous disais, plusieurs possibilités pour faire le tronc. Donc vraiment, soit vous prenez du papier uni, vous pouvez reprendre votre papier de base aussi. J'aurais pu simplement, vous voyez, c'est l'option que j'avais prise au départ, c'est-à-dire de garder le verso de ce papier-là, d'accord? Et juste de couper un deuxième carré identique, d'accord? Pour le mettre ici, pour compléter le tronc, d'accord? Ici, j'ai bien deux carrés de 2,5. Coucou Aude, bonjour! D'accord, pour venir ici. Là, j'ai pris en l'occurrence un autre morceau, parce que je trouvais ça sympa d'avoir les cadeaux donc au pied du sapin. Ici, donc c'est le recto, c'est un petit bout qui reste. Du coup, dans le papier, j'aurais très bien pu couper juste un autre morceau. Voilà, de 2,5 par 2,5. C'est super, dans les chutes, c'est très bien. Du coup, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'ai recoupé, moi, de mon côté, deux autres morceaux. Toujours un petit peu doré ici, toujours dans la collection Texture Chic pour mettre un petit peu de couleur. Ok? Je vois plein d'emojis qui s'envolent. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous choisissiez, quoi que vous vouliez prendre, que ce soit de l'uni, du papier design, que ce soit le verso de votre papier ou un autre morceau de papier à motif, que vous l'embossiez à chaud, que vous le colorisiez, que vous le passiez dans un classeur à gaufrage, peu importe, toujours est-il qu'il vous faut deux carrés de 2,5 par 2,5. Et là, mes carrés, ils font pas 2,5 chacun. J'ai dû avoir un bug quelque part. C'est pas grave, je vais en recouper un après. Ok? Autre conseil primordial, avant de vous lancer dans le collage, présentez votre sapin, d'accord? Et faites attention aussi ici quand vous allez les coller. Je vous explique tout de suite pourquoi. Pourquoi il est intéressant de présenter au départ, c'est parce que ici, pas de souci, tout le papier à motif sera collé sur la borne de papier. Mais si je prends par exemple la partie la plus basse, vous constatez qu'on a une partie qui est dans le vide. Donc on fait attention de ne pas en coller tout le papier à motif. D'accord? Faites attention. Donc, on y va. Je vais commencer par coller mes pointes et ensuite, on va y aller en descendant. Alors, j'aimerais savoir si c'est suffisamment clair pour vous, si vous vous y retrouvez, si ça vous parle, si vous n'êtes pas perdu. Surtout, surtout, c'est important, dites-le-moi. Je veux être sûre que ça va pour tout le monde, que c'est vraiment clair. Oui, je sais, il reste un bout là, pas de panique, on va voir ça après. Chaque chose en son temps. Je mets ma colle. Voilà, merci beaucoup Karine, c'est adorable. Hop. Toc. Et là, je vais donc continuer. Vous voyez, ici. Même histoire hein, que tout à l'heure. Ok, ce que je vous disais, c'est que ma pointe ici ne sera pas collée. Donc on fait bien attention à ne pas mettre de colle partout sur le papier à motif. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la colle directement, par exemple, sur le papier uni. Merci Véronique, c'est gentil de me rassurer. Et ensuite, je viens le coller. D'accord? Je parle d'expérience, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de boulette, voyez-vous. Et du coup, bah, quand on a de la colle ici, bien, c'est un petit peu compliqué après, parce qu'on est embêté avec l'arrière de la carte. Mes explications sont claires, Sylvie? Bon, c'est parfait alors. Ça me rassure. C'est important de savoir que pour vous, ça va, ça roule, il faut que vous arriviez à faire le projet. Les branches les plus basses dépassent de la carte. Est-ce que ça entre dans une enveloppe? Non, de toute façon, le format est trop grand, donc ça ne peut pas rentrer dans une enveloppe basique, sachant qu'on est sur une base de carte.
en 30 et demi de fête. Donc il faudra envisager de trouver une enveloppe un petit peu plus grande. Mais en même temps, vu la taille du sapin, c'est pas très surprenant. Parce que de toute façon, si on regarde la carte ici, on est sur du 12,5 par du 15,5. Donc c'est un peu compliqué. Je vous conseille des enveloppes carrées, par exemple, en 16 par 16. Vous en trouverez dans le commerce où vous pouvez les faire vous-même aussi également. Oui, oui, bien sûr, Marutine. La créer aussi, bien sûr, bien sûr. Hop. Un petit décalage avec mon sapin, c'est pas grave. Alors toc. Bon, or aujourd'hui, heureusement que ma petite Steph ne fait pas son live défi à 11h15, parce que du coup ce serait un peu chaud patate ce matin. Ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre? Je vais pas trop vite, non, ça doit être un peu long d'ailleurs pour vous. Le temps que je colle tout ça. Toc, toc. J'ai un petit peu de décalage, mais bon. C'est assez subtil. Ok. Ça va. Sinon, on empiète sur son live. Oui, oui, mais ce soir, aujourd'hui, son live défi, elle le fait à 18h parce qu'elle travaille à son bureau toute la journée. Donc, son live défi carte rapide, il est à 18h. Donc, vous aurez le temps sans problème de la rejoindre. Il n'y a pas de souci. Et du coup, mes petits troncs ici. Hop. Il va falloir que je recoupe un peu de papier parce que j'ai l'impression que mes deux carrés sont pas identiques. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper mes petits bouts ici. Ils sont pas du tout de la même taille tous les deux, c'est pas grave. Avant ça, je vous aurai compris, hein, il y a un petit truc là qui bug, mais non, il bug pas du tout, c'est normal. Maintenant que vous avez collé chacune des branches de votre sapin, il suffit simplement de prendre vos ciseaux et de venir se séparer ici le petit bout qui dépasse, tout simplement. Voilà. Et on n'a plus que le papier à motif qui apparaît. C'est magique. Bon, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui aviez déjà trouvé comment faire. C'était un peu évident. Mais disons que c'était pas une erreur. C'était prévu comme ça. Voilà. Prendre à ma main comme ça, ça va être vachement mieux. Toc. Voilà. Et du coup, miel teint pour la toux. Oui, oh, je suis sur plein de trucs, hein, des huiles essentielles et tout. Merci pour le conseil, Martine. Ok, presque, presque en fait, je pourrais presque laisser, je me demande si je vais pas les laisser comme ça d'ailleurs, le tronc du sapin finalement,
ça me choque pas du tout, puisque les couleurs sont parfaitement coordonnées. Donc en fait, en y réfléchissant, je pense que voilà, ça, je vais laisser le tronc en uni. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez fun. Ouais, ça me choque pas. Pour finir, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait sur ma première version, mais je l'appliquerai après parce que comme ça m'est déjà arrivé de faire des boulettes avec ça. Ici, en fait, sur le premier sapin, je ne sais pas si vous apercevez les... Ici, les petites boules. Voyez? Ici, là, que j'ai mises donc sur les flocons. Voilà, là, on les voit bien. Et bien, toutes ces petites boules, ici, ces petits ornements, en fait, je les ai faits avec la peinture effet laqué. Donc ça, c'est super joli, ça donne un petit... Oui, bah oui, mais je voudrais pas ficher en l'air ma carte. Bon, allez, d'accord. Donc tout simplement, on vient en déposer des petites larmichettes, toc, sur... Alors, je vais essayer de zoomer si ma souris veut bien. Voilà. Et on vient en fait déposer des petites larmes de peinture. Voilà, ça fait comme une petite goutte au départ, mais après, ça prend une forme tout à fait ronde sans souci. Voilà. Alors la seule chose, c'est que c'est un petit peu long à sécher. D'accord. Donc lorsque vous l'appliquez, prenez bien soin de vérifier si vous avez terminé votre création. D'accord. Faut vraiment que ce soit là votre dernière touche de déco. D'accord. Que vous n'ayez plus à toucher à votre création ensuite. Parce que sinon, tout simplement, vous risquez de l'aplatir et d'en fiche partout. Encore une fois, je parle d'expérience, les amis. Voilà, donc on en disperse un petit peu partout, où vous voulez. Plus ou moins gros. Voilà. Et du coup, on a un petit côté brillant. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment super pratique. On peut s'en servir pour plein de choses. Mais voilà, attention, quand vous le posez au temps de séchage, vraiment, c'est un peu long. Donc, faites pas de blagues, mettez-le au dernier moment. Voilà. Donc là, je vais faire attention à ce que je fais. Zou. Et du coup, voilà. On reste dans les tons de vert, hein, bien sûr. Mais on a cette fois nos deux sapins, nos deux cartes sapins dans un univers complètement différent. On a un super message qui s'ouvre ici. C'est ce que je préfère, je crois. C'est l'intérieur de la carte. Pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Bon, ok, le côté sapin aussi, c'est vraiment vraiment cool parce que c'est quand même très original. Voilà, on a un côté un peu plus enfantin avec le petit Père Noël. Voilà, et le côté un peu plus chic avec notre embossage à chaud doré. Pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça vous plaît? Bon, vous pouvez imaginer bien sûr de rajouter un sentiment ici comme j'ai fait là, ou de mettre beaucoup plus de déco sur votre sapin pour vraiment faire un vrai sapin. Voilà. Vous le savez, vous avez plein d'options. Je vous montre toujours des projets de façon basique pour que vous puissiez vous l'approprier et l'adapter selon ce que vous avez comme matériel et selon vos envies aussi. Oui, t'as raison Fabienne, effectivement, Mumu avait une super idée, c'est-à-dire de transformer cette création en menu pour les tables de fête. Et c'est une excellente idée de poser ça sur vos tables, de mettre votre menu à l'intérieur. Et du coup, vous avez le sapin aussi, vous pouvez, attention, la faire tenir debout sans problème. Voilà, et ça peut être super fun. Donc merci à Mumu pour cette idée et merci à Fabienne de me l'avoir rappelé. Voilà, ça prouve qu'il peut y avoir plein d'options possibles avec un projet de base. On peut le détourner de plein de façons différentes. On peut partir sur des thèmes assez différents. Bon, alors j'avoue, le sapin, là, ça a quand même resté un petit peu Noël, quand même. Mais par contre, voilà, ça peut être une carte de vœux, une carte de joyeux Noël. Mais ça peut être aussi un projet pour
poser votre joli menu sur vos tables de fête. Plein d'options possibles, donc ça, c'est fun. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle les échantillons du mini-catalogue. Les inscriptions sont ouvertes. Moi, je vous propose des échantillons de papier à motifs et papiers spéciaux. Et le petit atelier de Mumu vous propose les rubans et les ornements. Vous avez tous les liens dans la vidéo. Les inscriptions à la box mensuelle de janvier sont également en cours. Donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 décembre, jusqu'au jour de Noël. Voilà. Et également la tombola. La tombola est toujours en course. Elle est jusqu'au 23 décembre. Validez vos tickets avec vos commandes. D'ici là, je ferai le tirage au sort. Si tout va bien, je la fais le 24. D'accord ? Si j'ai eu le temps de tout caler. Plein de cadeaux à gagner, du papier, des sets de tampons, un Stamparatus, plein de cadeaux. Voilà, donc 10 gagnants seront tirés au sort. N'hésitez pas. Et bien sûr, les portes ouvertes virtuelles le 2 janvier à 20h30 et le 7 janvier à la maison. Voilà, pour découvrir plein de belles choses. Merci beaucoup Annelise. Donc je vous rappelle, hein, effectivement, je ne serai pas en live la semaine prochaine. Je prends quelques jours de repos en famille. Voilà, besoin un petit peu de se requinquer et d'en profiter un petit peu de mes loulous. Je suis sûre que vous allez comprendre, j'en suis certaine. On se retrouvera donc le 2 janvier à 20h30 à l'occasion des portes ouvertes virtuelles. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Et puis voilà, de mon côté... vous me verrez apparaître encore un petit peu sur les réseaux, mais je vous souhaite, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà plein de belles choses pour ces fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vous-même déjà, et prenez soin de vos proches. Profitez-en pour vous requinquer et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions quand même sur le projet. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci beaucoup et à très très vite. Ciao.